Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour la suite de Brutal Legend, tout le monde. Alors... D'ailleurs, ça me fait penser, Lemmy, le chanteur de Motorhead qui est mort, n'est pas vraiment mort, il est là. Il se repose paisiblement avec sa superbe moto et nous avons eu un tips, les amis. Nous avons eu un tips de Fen, Kinat Sakura, qui salut Fufu, si jamais je te croise au download, moyen que je paye ma tournée. Sinon, bon stream à toi, by the way, tu prévois quoi ce soir? Ah bah ça tombe bien que tu parles du download, parce que je suis en train de jouer à Brutal Legends. Et oui, on se croise, bah oui, je pense qu'on se croise au download, je pense que je ferai des tweets à ce moment-là pour dire vers où je suis. À ce moment-là, je ferai, je pense, une petite vidéo et tout. Et c'est vrai même si c'est possible de faire une espèce de petit reportage, comme je n'avais pas pu faire pour l'Elfen, j'aimerais bien faire pour Download parce que l'avantage c'est vu que c'est à... Vu que le Download se passe à Paris, bah j'ai un pied à terre, donc je pourrais rentrer chez moi, faire des montages et tout, faire des petits trucs sympas. Et donc oui, bien entendu, on va se boire un verre et même plus si affinité, on va pouvoir pogoter ensemble, mettre des petits coups de coude comme ça au calme. J'ai oublié comment on utilise un nitro. En tout cas, le Killmaster Lenny qui est mort, le 2 Motorhead. RIP, Lemmy. Le Killmaster, qui est, parce qu'il est représenté dans le jeu. Il est là, il est bien vivant, et il pèse dans le game. Alors... Alors, que se passe-t-il ? Salut beauté! Mesdames? Je voudrais te présenter mes amis. Toutes ces femmes se sont échappées de la tour du plaisir de Lion White. Avec ton aide, je suppose. Je les ai cachées pour leur sécurité. Mais maintenant, elles veulent se battre. Et je suis là pour les équiper. Avec des sangliers? Si on s'applique à disséquer correctement une carcasse de sanglier de feu, on peut en faire une arme de longue portée puissante. C'est eux qui t'ont à moitié tué, c'est ça? Bon, si tu tiens à recommencer, je vais t'aider. Maintenant. Qu'est-ce qu'on attend, là? C'est parti! Et cette fois, on va se garder le guérisseur sous le coude, au cas où. Je vais en amener quelques-uns par ici. Bouge pas jusqu'au moment d'attaquer, ok? Et moi, je peux pas avoir une voiture? À l'abattoir, aide Ophélie à chasser les sangliers de feu pour en faire des armes. Je suis peut-être un peu trop loin, je devrais m'approcher! Ah, c'est moi qui contrôle, nice! Putain, je me rappelais plus de cette truc. On peut pas faire la note à l'arrêt? On peut pas la faire la note étourdissante, hein? Je suis peut-être un peu trop loin, je devrais m'approcher. Oh. Ah, tu leur as pété le moteur. Ah, faut que je les rapproche de elle, ok. Ok, vas-y, tant que c'est chaud! Alors, c'est comme ça que tu dissèques un sanglier. Avec tes mains, tu tires. Ça sert à quoi? À pas grand-chose, tant qu'on n'a pas enlevé les gésiers, nettoyé la chambre et taillé le fût. Hé, bougez-vous! Il en faut bien plus! D'accord! C'est une sacrée gonzesse que t'as là, Eddie. Oh putain, excellent! Nice. Alors, on va les attirer par là-bas. Ah, le jeu, il a
et à 1,50€ sur Steam. Je vais pas tous les faire quand même. Il y en a beaucoup trop. Ok, je crois que c'est bon. Nettoyons ça. On a d'autres sangliers à zigouiller. Oh yeah. Je vais me rafraîchir un peu. Ah, rafraîchis-toi quand tu veux. Nous rejoins à Bladenge pour une petite démo. Oh yeah, baby. Victoire brutale. Oh yeah. L'article dispo au garage métal. Il est où le... Équipé des défenses, pas un... Les déserteuses peuvent atteindre les ennemis des métalleux à distance. Unité basique d'infanterie. Ah, je vais faire la petite démo. Je suis ici et je peux aller là-bas. Il est temps d'y aller. Alors, Brutal Legends, c'est un des... C'est un des premiers jeux. C'est un jeu que j'avais fait sur PS3 mais il y a longtemps, mais j'avais fait qu'une seule fois. Et pour vous dire, je m'en souviens plus du tout. Mais vraiment plus. Ok, très bien, j'ai raté. Donc là, on va apprendre à utiliser les gonzesses. On est en patrouille. Allez hop. Prêt ? Feu ! Mesdames, bienvenue à Bladenge. Excellent. On attaque quand ? Attaque ! On nous attaque ! Vous voyez les signaux ? C'est quoi ça ? L'armée du général Lion White a été repérée, et elle avance dans cette direction. C'est quoi le plan ? Le plan ? Le plan, c'est la victoire ! C'est beau ça ! Lars, c'est pas une forteresse. Comment peut-on défendre la ville ? Je peux faire un truc vite fait. Fais-moi confiance, on peut faire un show énorme en peu de temps. Amène ton meilleur technicien et retrouve-moi au nord-est. J'ai un plan. Mangus, les techniciens ? Un technique quoi ? Aucune idée. Viens avec moi. It's time ! Je retrouve Lars et son technicien au nord-est. Gaffe au recul. Donc alors ? Un technique quoi ? On va rejoindre Lars. C'est où Lars ? Ah là. Alors est-ce qu'on va monter une scène de la moi on sera victorieux aujourd'hui. Qu'est-ce que vous regardez ? Je sais pas. Qu'est-ce que vous regardez ? Je sais pas. Ah putain mais il voulait pas parler à mon pote. C'est par là qu'ils vont nous attaquer ? Oui. Par là-bas. Alors on va construire notre scène ici. Je crois qu'on a tout ce qu'il faut ici pour faire le concert le plus mortel de tous les temps. Concert ? Hey mec, là d'où je viens, cette gratte fait un sacré boucan. Ici, elle explose des trucs. Alors j'ai hâte de voir ce que peut faire tout un groupe de rock. Mon gars, à présent t'es un rodé. Amène des potes, on a du boulot. Maintenant ? Oui ! Imbécile ! Montre-moi une scène digne de ce nom. Et je chanterai. Maintenant. C'est le parti ! Plus beau des rock. Oh la vache ! Ok, projo arrière.
Rejoue arrière. Cool. Ok, spot latéraux. Spot latéraux. Génial, ok. Mec lumineux. Ok. Attends, c'est quoi encore le bouton pour les mecs lumineux? Wow. Oh, par les titans. C'est comme dans la légende. On raconte que les titans auraient invoqué une force venant des profondeurs de la Terre. Ils avaient des rituels, des chants et de la musique oubliés depuis longtemps. Cette force leur permettait de fournir en énergie leur civilisation. En effet, ils ont l'air d'avoir de l'énergie. C'est des fans! Ils sont venus pour le show! Eh oui, c'est vrai qu'avec l'énergie des fans, on peut tout faire. On dirait... ils s'ennuient. Je vais arranger ça. Ok. J'ai un bon pressentiment pour cette bataille. Hommage aux fans dans le milieu. Oh, wow. Regarde. Voilà. Maintenant, ils sont vraiment fans. C'est ça l'essence du rock, les gars. Les fans. Soyez sincères avec eux et vous réussirez toujours. Plus on a de fans, plus on peut faire des shows mortels. Ce qu'ils veulent en retour? Du rock. Du rock et des goodies. Vite, Mangus. Faut qu'on fasse un stand. Les fans vont vouloir des t-shirts, des posters, des casquettes. What? Tu vois, Mangus, les goodies d'un groupe, c'est comme une alliance. C'est complètement matériel, c'est vrai, mais... c'est aussi un symbole de grande dévotion qui te rappelle... Les hommes de Lion White ont été repérés pas loin d'ici. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, c'est l'heure du rock, les gars! Tous à vos postes! Mangus dans ta cabine, je t'appellerai quand il faudra quelqu'un sur scène. Chef, déjà dans la cabine! Bien, alors, faisons venir quelques headbangers. Geyser de fans ne se réveillent que quand une scène de rock est installée à proximité. Bizarrement, ces petits fans ressentent le potentiel du métal et jaillissent de la croûte terrestre, comme pour réclamer de la musique et des goodies. Les fans peuvent être convertis grâce au solo hommage aux fans. Un stand de goodies peut être ajouté afin de recruter des escouades pendant les batailles de scène. Attention! Les fans déjà convertis par l'ennemi se montreront hostiles et t'attaqueront, mais laisseront tes troupes tranquilles. N'oublie pas que les fans n'acceptent ton hommage que s'ils sont attentifs. Si tu joues le solo quand le geyser est entouré d'ennemis, les fans t'ignoreront copieux. J'ai quelque chose entre les dents. Ok. Angus, envoie des headbangers sur scène, maintenant! Les headbangers arrivent! Ah, regarde-moi ce garçon. Ils ne pensent qu'à la bataille qui les attend. Génial! Et si on appelait les déserteuses d'Ophélia? Mangus, dis aux déserteuses de se tenir prêts. Ok, donne-moi une seconde. Là, on rigole plus. Déserteuses! Vous êtes super, les filles. Okay, ce sont des guerrières nées. Je suis prêt à repartir. C'est d'accord. Je sais. Je crois que je vais pleurer. Mangus, prépare la scène pour les Chopper Boys. Chopper Boys, ça roule! Ok, les Chopper Boys. Angus, il nous faut un Chopper Boy ici! Un Chopper Boy! Un! Hé, hey, je te connais! T'es pas sur la roue! Vous avez vu leurs abdos? Chopez-les! Killmaster! Je me sens déjà mieux! Ouais! Ça marche! J'attendrai l'ennemi! J'ai entendu! Entourez-moi, mes guerriers! C'est cool! C'est bon! J'arrive! Ouais. Angus, plus de filles! Des filles armées! Les déserteuses sont en route! Ok. Donc je vais faire attention à la charge. Chaque escouade a un coup. On dirait moi, quand j'avais votre âge. Je me demande si mon dos se redressera un jour.
Allez, les fans. Entrez sur scène. Ouais, pointez l'arme vers le haut quand vous courez, les filles. Allez. Ah, ça, c'est ce que j'appelle une armée. Ça va être un vrai bain de sang. Eh bien, un bon bain ne vous ferait pas de mal. Lars Alford, pourquoi massacres-tu mes employés ? Les esclaves t'ont abandonné, Lion White, tout comme le bon goût vestimentaire. On va voir ça. Mes mineurs les plus stylés sont restés sous mes ordres, tout comme ces filles qui savent faire le bon choix. Et Killmaster, même certains de tes hommes ont décidé qu'on pouvait tirer profit de tes sympathiques petites araignées. Tu as fini de parler ? Parce que j'aimerais qu'on en finisse. Ne t'inquiète pas, ce ne sera pas long. Je vais mater cette pauvre sédition plébéienne. Métal ! Non, attaquez-les ! Je suis le jambon, vous êtes la baguette. Alors venez par là ! Oh, du Judas Priest ! Je veux un cyclone de métal ! Métal ! Je crois. Oui, c'est ça. Entourez-moi, les guerriers ! Ah, putain, je l'ai, c'est calme ! Les dernières fois, ça va être... Destruction ! Ils sont où, les moches ? Ah, mais elles sont là-bas, les salopes ! Amenez-moi leur tête ! Mourez ! Bon, on espère que sur YouTube, il n'y aura pas trop de copyright. Mon dos! Eddie! Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je crois qu'on m'a tiré dans le dos. Tu vois quelque chose? Tu peux l'enlever? Je crois que ce qui t'a touché est parti. Bon, alors te bille pas pour moi. Je me sentirais bien mieux après avoir zigouillé des gars. Eddie! Les ennemis arrivent! Ils arrivent de quel côté? Par l'arrière du champ! Ils arrivent autour de cette grosse statue de guitare! Genre, à 11h? Non! Genre, maintenant! 11h, c'est une direction, Mangus! Tu vois ce cadran sur ta console? Avec le 12 en haut? Oh, alors c'est un sac, ça, c'est! Ouais, mec! Les méchants sont à 11h! Je vais mourir! Ah! Tue-le ! Des ordures ! Rebelle ! 9h ? Putain, il parle fort, le con. Potez-leur le cul ! Vitez-les tous ! Quand je vois tes fringues, ça me fait plus mal. Je vais mourir! Qui es-tu? Ça fait quoi de bosser pour Monsieur Putain de Rose? Putain, mais il parle fort, il me casse ses oreilles. Il est où? Non. Extermination. Restez avec moi si vous tenez à la vie. Destruction. Sérieux, les gars, c'est vraiment pas cool. Oh non, je suis mort.
Ah bah je peux mourir, je revis. Le monde dira peut-être vos doigts pour plein d'air. Restez avec moi si vous tenez à la vie. Je crois qu'il nous faut plus de gars. Impressionnant, Edward. Et quel type arrive ? Une heure ! Oh putain, faut que je peux faire plus de soldats ? Il m'en faut plus ! Détruisons le glam métal, j'avoue ! Bon après, le glam métal, il y a des nibards, donc... Faut un peu de tout, quoi. Nous faut un bassiste pour guérir les blessés. Blaireau. Tout ce que vous croyez dans cette direction doit crever. C'est mal que vous avez apprécié la technique. Mais gaffe à ton cul. Et ça pose pas des vies. Tu peux me porter? Sur charge de métal. C'est pas croyable d'être au quart pareil. Oh merde, je meurs. Bah attends, mais ils meurent tous, c'est con. Suivez-moi et gardez l'œil ouvert. Oh, vous branlez quoi, les mecs? Vite, les tous. Je suis là. Je suis là. Oh putain, pardon, la musique de Judas, avec la musique en fond là, ça va être copyright à fond ça. Je vois des tas de mecs, dit 11h. Ah, oh, il parle trop fort, il me casse les oreilles. Venez là. C'est bon, c'est... carrément. Ouais, attends, j'accepte. Ouais, oui. Chopez-les. Butez-les. Exactement ce que j'aurais fait. Métal ! Métal ! Mourir! Oh, je suis mort! Putain, mais c'est dur, hein! C'est facile! Des nibards. Et ouais, dans le gamme métal, il y a des nibards. Venez là! Botez-leur le cul! Suivez-moi! Vitez-les tous! T'as eu ton rôle! C'est l'un des meilleurs potes! Tu m'as dit, viens là! Genre, on va voir un concert de. De style panthère, tu vas être choqué. Mes frères et mes sœurs. Vous êtes vraiment pas bon. C'est quoi le dossier pour monsieur Putain de Rose? On va voir. Il nous faut un bassiste pour guérir les blessés. Victoire brutale. En voilà assez. N'ai jamais aimé cette ville, de toute façon. Je ne sais pas ce qui t'a pris, Lars, mais je sais une chose. Tu vas regretter ce que tu as fait aujourd'hui. Hein.
Trop longtemps, nous avons vécu sous terre, prostrés à attendre une vie meilleure qui ne venait pas. Aujourd'hui, cette attente est finie. Nous refusons de rester les bras croisés pendant que Lion White décide de notre avenir. Rassemblons cette grande armée et prenons la route! Nous allons attaquer Lion White et libérer les hommes, les femmes et les enfants de cette ville. Après quoi, nous la réduirons en cendres! Oh yeah! Alors comme ça, t'es du genre bricoleur, on dirait. Rouille-toi de charger. C'est pas les nanas qui baisent avec quand un gars de public. Quand je reviendrai, on se mettra en route. Ça roule! Steel Panther, c'est des mecs. C'est pas des nanas. La tournée de la destruction. Un Rolly est responsable de son groupe. Mais tu rencontreras des personnes qui auront besoin de ton aide. Termine les missions secondaires pour gagner des tribus de feu offerts par les dieux du métal. Guide de tournée. Unité combo. Ouais. Headbanger, groupie. Alors, bam bam bam. Vous êtes prêts pour la tournée de la destruction? Je crois que la bataille se passe bien. À qui faut que je parle? À lui? T'es sûr que tu vas aller attaquer Lion White? On doit le traquer jusque dans son palais, Edouard. Hey, pourquoi tu t'entraînes pas? Ah merde. Angus a déjà rangé mes mannequins. Bah ouais, gros. Vous avez sauvé un paquet de mecs dans cette bataille. C'est l'énergie de ses fans, tu sais. Ça me donne envie de donner en retour. Bon, comment j'entame la tournée de la destruction, là? Et c'est parti. Laisse-moi 2-3 heures. Ah ben ouais, impec. Ça me laisse le temps d'aller choper quelques armes pour la destroy mobile. Eddie? Oh, désolé. J'étais complètement parti, là. Mais me revoilà. Au garage métal. Prenne pour le contrôle technique. Allez hop, c'est parti. C'est le garage métal? À voir ces fleurs, j'ai l'impression que je devrais déterrer cette relique. Alors, révélateur de reliques. Waouh! Ça, c'est une relique qui me botte. Oh yeah! Et ça, c'est bon! Oh, plutôt violent. C'est pas trop tôt, beau cochon. Pas mal. Pour manier ce bébé, je crois que tu sais faire. Tu feras gaffe, t'as un bout de démon sur ta calandre. Ou alors, c'est la mode, va savoir, avec les jeunes. Qui... Oh, moi? Je suis personne. Juste le gardien du métal. Oh, wow, cool. Alors, tu peux m'aider à combattre des démons, tout ça? Non, la castagne, c'est pas mon truc. Non, moi, je suis plutôt le gardien de secrets immémoriaux, c'est tout. Si tu me prouves que tu es digne, peut-être que je t'en confierai quelques-uns. Par exemple, tu savais qu'autrefois, ce monde était contrôlé par une race ancestrale de titans? Et c'était pas détendre.
ils ont pris chaque partie de la bête de feu. Ils ont pris son sang, ses flammes, sa chair d'acier. Ils ont même pris son cri. Et ils en ont fait cette tire-là. Et toute une flopée d'autres trucs. Et puis de la zik. De la putain de bonne zik, mec. Et quand ils sont devenus des dieux, à leur apothéose, ils ont laissé deux ou trois instructions. Comment bidouiller des tirs, faire de la zik. Tu crois que quelqu'un les a trouvés? Non. Tous des branleurs. Personne n'a rien remarqué du tout. À part toi, dont j'ignore le nom. Du coup, tu dois être digne de la faveur des dieux, j'imagine. Alors écoute, si tu fais un truc qui plaît aux dieux, ils pourraient te récompenser. Avec un tribut de feu. Quand t'auras reçu assez de tribus, viens me voir. Je serai ravi de partager les secrets du métal avec toi. Genre, comment faire de ta gentille petite bête là-bas un vrai monstre? Entre autres choses. Pigé? Les dieux m'ont payé un tribut, alors on pourrait peut-être causer petits secrets, non? Mais c'est qu'on chope le melon. Mon pote, là, t'es sûr que t'as les couilles pour ça? Je l'ai déjà. Alors, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, c'est Ozzy Osbourne. Si tu prends ces cordes, je te refais la peinture gratos. Les meilleures cordes pour le combat. Ça devrait attirer leur attention. Les bancs, en tout cas, elles sont dans les deux meilleures. Excellent. Il y a bien des façons d'infliger de la douleur. Ça, c'est pas une arme de chouineuse. Plus tu l'utilises, plus elle devient puissante. Plus tu l'utilises, plus elle devient puissante. Très aiguisée. Tu tranches et tu crames. Oh, je veux! La chaleur que tu vas sentir en bas du dos te fera un bien fou. Ha ha ha! J'ai deux ou trois trucs à te montrer. C'est pas vraiment discret, mais c'est efficace. Rends tes éclairs un peu plus explosifs. Pourquoi c'est pas eux qui se bougent? Vas-y, prendre ça. Tu sentiras plus rien quand t'auras de la corne aux genoux. Prends soin de ta gratte. Encore un petit truc mortel. Mon pote, là on passe la... Yes! Faut prendre soin de... Pourquoi tu donnerais pas un coup de boost à ta caisse? Elles sont bien plus grosses en vrai. Oh là là, quel toc. Ouais, j'ai connu un mec qui lui ressemblait. Oh là là, quel toc. Il pue moins que le vrai. Salut poupée, j'ai deux ou trois... Alors, je vais prendre... Encore un petit mon pote. Là, yes, faut ça. Penser mieux. Attends, je dois faire quoi pour avoir un tribut de feu? Mets-toi les dieux du métal à la bonne. À toi de trouver comment. Bon, ok. Je reviendrai. Noyé sous l'amour des dieux du métal. Ouais, mec. Voilà. Ozzy Osbourne. On est en patrouille. Ma caisse, ça va être ouf. Avec ma hache de feu. Ah, ça c'est bon ça. Prêt à partir? Laisse-moi 2-3 heures. T'as 20 secondes, allez on s'arrache. 10, ça me suffit. Rock'n'roll. Ça c'est bon ça. On ne dort pas jusqu'à Butter Smith. Quoi qu'il arrive, continue de rouler Mangus. Ça roule. Tu m'as pas dit comment arrêter ce truc de toute façon. Oh, le con. Je m'occuperai de tout ce qui pourrait tenter de nous arrêter. Ah ouais, même de ça. Appuie sur carré en courant, ok. Butter Smith, c'est pas dans l'autre sens. Eh, je veux pas que t'ailles me faire rouler ce bus flambant neuf à travers champs, compris? Prends la prochaine à droite et on rattrapera la route principale. Tranquille. Wow, wow, wow! Demi-tour! Panique pas! Oh putain, c'est machine gun! Continue de rouler, je me charge de ces gars. J'ai essayé de leur rouler dessus. Mais c'est des rapides. Oh le méchant, la machine route. Gun. Faut les comptes là-haut, Eddy. C'est typique le tapette ça. Cool.
Machine Gun. Oh putain, cette musique! Vois un truc dans mon rétro! Là, t'as eu! Inga! Oh la vache! Ennemi droit devant! Putain, il parle trop fort! Ah ouais, là, c'est trop. Le problème de ces jeux, c'est les putains de copyrights qui viennent me taper sur YouTube, c'est marrant. Ouais. Ouais. Tu viens sur nous, vas-y. Mais c'est pas prêt. Ouh. Alors, c'est Fufu qui chante. Allez, bâtard. Ennemi droit devant. Ouais! Ça c'est... Leurs potes vont arriver en force! Mourez, bande de bâtards! Qu'est-ce qui se passe? Quoi qu'on y est. Excellent. Ça, c'est du métal. C'est le QG des gardes de Lion White. Et là-bas, c'est le canyon de l'Empaleur. La tour de Lion White est juste de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on attend? Mangus, décharge le bus. À mon retour, on castagne. Une victoire! Un brutal! Bon. Bah les gens, pour cet épisode 2, ce sera suffisant. Je vais aller faire une pause histoire de voir et de me désaltérer. En attendant, restez là et restez branchés. À tout. Je crois qu'on sera victorieux aujourd'hui.